donc ça a dégradé beaucoup le chemin, et ce chemin il a été pavé. Alors tu te recules, voilà, il y a encore des restants. Ah oui. Elle était pavée à la romaine avec des pierres debout. Hein, pour que les pierres. C'était pavé à la romaine, quoi. Hein, d'accord. Pavé à la romaine, on a vu. Il faut bien regarder quand même. Oui, il faut bien regarder. Mélanger avec du lait de produit. Mais on est en train d'expliquer quelque chose à Sylvie. Il ne faudrait pas que ça soit en Google. Elle explique les noyers. C'était recherché, les femmes avec les noyers. C'était ta mère, ta grand-mère qui allait vendre ses fromages à Neuville, je crois. À Vaise. Et on voit des vieilles gravures avec des grands paniers, elles avaient des grands paniers sur la tête là, et elles transportaient leurs fromages. Alors Jean, j'expliquais aussi là tout à l'heure ce chemin était un ancien chemin. C'était une ancienne route importante à l'époque pour ceux qui avaient les moyens de circuler avec des voitures à chevaux. Et ce chemin qui était très en pente, il a été pavé. Pavé à la romaine, alors c'est pas un chemin romain, ça. À la romaine avec des pierres debout. Comme les calades, les pierres droites. Comme les Romains pavaient leur voie. Pour éviter l'érosion. Et pour que ça soit accessible quand il pleuvait. Ça glisse pas, je comprends. Sinon, si c'est pavé bien lisse. L'autre parent que je connaissais pas, Michael s'appelle, un gamin qui est en 4e au collège. Donc il débarque, mardi, il va le chercher, hier, il se donne rendez-vous, il le ramène à la maison.